longue, pas désert, mais pas mal déserté. Et en tout cas, ça va durer comme ça, je ne sais pas combien de temps maintenant. Les gens prennent ça avec beaucoup de philosophie. Une ambiance qui se crée, assez sympathique. Yes. Quand ils voient, c'est très bien comme ça. La barrière est grande ouverte puisque il n'y a plus de mouvement normalement. Le portail du camping est fermé. Plus de nouveaux arrivants. Et nous, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas partir. Une réception presque désertée. Le strict minimum du personnel vient pour le ménage, pour la réception, c'est-à-dire un seul homme. Et pour le ménage, il y a une femme, elles viennent à tour de rôle. Le coin barbecue, bah bien sûr, il n'y a personne. Le restaurant est fermé, donc la personne qui s'occupe de la réception maintenant s'occupe aussi de faire cuire le pain. Il ne faut pas rêver, c'est pas un artisan boulanger, c'est du pain industriel, mais on est bien content quand même d'avoir du pain. Plus viennoiserie, mais le pain, c'est déjà sympa. Donc après, il passe un petit peu partout pour voir si on veut du pain. Le restaurant... Ça fait bizarre, tout est vide de partout. On était en train de se poser la question si on devait rentrer ou rester là en sécurité, parce que là nous sommes confinés entre un terrain militaire et la mer, avec interdiction de nouvel arrivant, donc on est en sécurité. Mais on ne sait pas comment va évoluer la crise, si demain sera... On risque de ne plus pouvoir rentrer. Par contre, vous avez vu sur le papier qu'on nous a donné hier, oui, les consignes on est confiné ici à l'intérieur. Hein. On est confiné à l'intérieur, sauf, disons, éventuellement pour aller, disons, faire ses courses. Voilà. Mais bon, on respecte sans problème. Hein, on a le soleil pour l'instant. Oui, parce que de toute façon, après tout, on est peut-être plus en sécurité ici que d'aller sur la route, non? Mais c'est ce qu'on se dit. Mais si on décide de rentrer, de toute façon, ça sera... direct ici, la France. Voilà. Oui, parce que les campings maintenant refusent, tout le monde refuse. On a interdiction de s'arrêter et puis on sera, disons, refusé dans tous les parkings et tous les campings. Donc, ce qui est quand même normal parce que ça serait, disons, de nouveau un flux migratoire qui peut, disons, disséminer le virus. Bien sûr, tout à fait. Et par contre, il y a une chose, excusez-moi, hein, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller dans le supermarché, là c'est fini. Hein. Le papier nous le dit bien et Alfonso nous l'a dit, c'est eux qui, on va faire des listes de courses, c'est eux qui vont nous les faire. Ben là, hein. On n'avait pas cette nouvelle information, hier ouais. Nous sommes allés faire nos courses. Oui, hier c'est possible voilà, encore. On est indépendant pour une huitaine de jours sans aucun problème, donc de là après, il faudra adapter, c'est sûr, si besoin quoi. Donc, voilà, et c'est nous qui allons faire nos listes de courses. Et c'est, vous avez vu, ils ont limité le personnel parce qu'il n'y a déjà plus le restaurant terminé. C'est pour ça que c'est eux qui font le pain. Le pain, oui, on a déjà le pain tous les jours. Mais bon, en tout cas, ils s'occupent bien de nous. Il n'y a aucun souci, mais on se sent en sécurité ici. Oui. On se sent en sécurité. Oui. Bah, c'est vrai qu'on est un petit peu à part de tout. On est entre nous. On a l'impression d'être une grande famille. Oui, voilà, exactement. On est très soudés depuis ces nouvelles réglementations. On est très soudés entre nous, c'est vrai. Et ce qui apporte. Disons, un plus dans notre séjour. Tout à fait. Et puis bon, on est quand même au soleil, au bord de la mer. Exactement. Il y a des situations plus dramatiques que nous. Tout à fait. On est à la retraite, on a le temps. Donc, voilà, on n'a pas stressé. Voilà, exactement. Hein. Ah mais oui, mais tout est touché de toute façon. Donc, il faut se dire qu'il ne faut pas aller à un endroit... Pour être... En plus, on a la livraison du pain. Buenos días. Muchas gracias por el pan. Alors, comment tu te sens avec ce confinement? Ah, moi, je me sens au petit paradis, avec même le sens de l'élitisme, dans la mesure où on ne peut pas être mieux, on est isolé de tout, donc protégé en même temps.
Et peut-être qu'on sera les derniers survivants de la planète, hein, parce qu'on a en tout cas l'infrastructure pour. Mais on ne va pas se reproduire. Non, je me sens un peu courbaturé, mais ça c'est le paddle d'hier. Donc je me tâte pour savoir si c'est pas un début de grippe ou... Mais bon, non, plus sérieusement, on se sent très bien. La seule chose que je voudrais pas, c'est qu'effectivement l'ambiance change et que les gens deviennent angoissés. Bah là, j'ai senti une espèce de... On sent une union de plus en plus forte. Oui. Même s'il y a le problème du langage, bien sûr, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Bah oui, c'est... Heureusement, l'être humain, il est plein de ressources et puis plein de surprises aussi. Oui, oui. Je pense qu'on ne mangera pas mon chat avant très très longtemps. Ça va. On va être tranquille. Oui. Puis on a du bon pain. Ce matin, il était chaud, croustillant. Bien, je vais le faire. Ben, donc, le monsieur du restaurant ne vient plus et c'est le même employé qui fait tout. Ou Alfonso, ou Tony. Et il n'y a qu'une seule femme de ménage à la fois. Okay. Bon, maintenant... Quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils ont des enfants, des personnes âgées? Est-ce qu'ils sortent le soir? Ben voilà. Histoire de nous ramener quelques virus. Ben c'est pour ça. Mais bon, ils se sentent quand même impliqués, ils se sentent responsables de nous quelque part. C'est quand même une situation plus qu'exceptionnelle, hein, inédite. Et c'est vrai que c'est une équipe de jeunes, donc ils ont quand même sur leurs épaules la responsabilité d'un groupe assez important de personnes. Je ne sais pas combien on est de personnes dans le camping en tout, mais si on compte, ouais, hein, parce que si on compte une moyenne de 2 personnes par maison à roulettes, je ne sais même pas si... Non, je pense qu'il y a plus. Je ne sais pas, moi j'estimais à 30 camping-cars, effectivement, peut-être 50 personnes. Ouais. Bon, il y a 2 enfants. Oui. C'est tout. Mm. Un chien sur au moins une vingtaine de chiens. Ça, c'est sûr. Un chat domestiqué. Oui. Nommé, qui s'appelle Cassie. Et plein de chats sauvages, sans nom. Oui, 3 chats sauvages qui viennent la nuit. Nous débarrasser éventuellement des araignées. Voilà. Les souris, je m'en fiche, mais des araignées surtout. Bon, alors tout va bien. Oui, tout va bien. Oh, les deux. Ouais. Yes, you too. Yes, les Allemands, bah bloqués, hein, block here, and comment dire, how do you feel well, do you feel afraid, do you feel cool, ils comprennent pas mon anglais, you cool with Corona, here, No problem. You are well here. Yeah. Yes. And we are very nice place with sun, with the sea. Non, ils ne comprennent pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le monsieur et la dame sont vraiment très cool, sont vraiment très sympathiques. Ça, c'est sûr. Et tous sympas. Merci. Bonjour le chéri. Bonjour la chérie. J'espère que tu vas bien, hein, que t'es zen, cool, pas de panique, hein, on continue l'aventure. Comme tu le vois au camping, bah, y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je vais te faire voir et te lire le pourquoi. Donc hier, nous avons eu chacun un arrêté avec les instructions de la part de la santé et de la région touristique. Parce que comme... vous le savez, maintenant en Espagne, c'est région par région. Donc, je l'ai traduit. Tout le monde l'a eu. Tout le monde a dû le traduire parce qu'ils ont voulu nous le donner en espagnol. Je pense qu'ils ont voulu nous le donner en espagnol. Ça fait un peu plus officiel. Et puis, moi, c'était plus rapide. Mais en tout cas, la personne qui nous l'a remis a été voir, on va dire, chaque individu, chaque maison à roulettes, les unes après les autres, pour discuter tranquillement, de voir comment ça allait se passer. Donc alors, ce papier, il dit, alors je l'ai traduit avec Google pour essayer de faire un petit peu mieux et ne surtout pas me tromper dans la traduction. Liste des recommandations adoptées par l'Institut du tourisme de la région de Murcie, en accord avec la Direction générale de la santé publique, à l'occasion de l'arrêté du ministère de la Santé qui préconise l'activation
de la protection civile territoriale de la région de Murcie pour faire face à la pandémie mondiale du coronavirus du 13 mars. Parce que c'est ici le 13 mars que la région a commencé à être touchée par une famille de Murcia qui est venue du côté de Los Alcázares et était porteur. Il semblerait qu'ils aient contracté le coronavirus. Donc du coup, c'est toute la région, toute cette région qui est bloquée. Alors, première restriction. L'enfermement des personnes hébergées dans les établissements hôteliers et non hôteliers des communes de Cartagena, San Javier, San Pedro, Mazarrón, Aguilas, Los Alcázares, pour garantir la réduction des contacts et des contagions massives. Alors l'enfermement, c'est le mot, confinamento, c'est le mot radical. Hein. Nous, on le dit avec un petit peu plus de douceur, mot confinement, mais en fait, c'est exactement la même chose. Hein. Bon. Donc c'est pour ça que nous, nos hôteliers, nous sommes un camping, on nous demande très fortement de ne plus bouger du camping et de rester ici pour un temps indéterminé. Deuxième restriction, limiter les sorties hors de l'établissement à l'exception de la main-d'œuvre, de l'assistance médicale et de l'approvisionnement en produits médicaux et pharmaceutiques essentiels. Donc ce qui va se passer, c'est si jamais quelqu'un a besoin de médicaments, de pharmacie ou autre, ben là c'est très bien expliqué, on demandera simplement au personnel, on écrira sur un papier ou une ordonnance, peu importe, et eux nous réapprovisionneront. Troisième restriction, les services de restauration de ces établissements doivent être exclusivement limités à l'entretien des personnes hébergées dans l'établissement. Il est conseillé d'établir des équipes différentes pour éviter les foules dans ce type de service. Donc premièrement, là tout à l'heure tu as vu Alfonso, il y a aussi un autre monsieur qui s'appelle Tony, donc c'est ou l'un ou l'autre qui sont ici pour s'occuper de nous, nous chouchouter, nous préserver, etc. Le restaurant étant fermé, c'est cette personne aussi qui fait le pain. Nous n'avons plus les viennoiseries, nous avons quand même du pain, donc tous les jours, bien chaud, ce qui est quand même sympathique. C'est vrai que je ne cache pas que ça doit être une grosse responsabilité pour eux, parce que comme l'a dit Pascal, on doit être à peu près un peu plus d'une cinquantaine de personnes. Donc, ils sont jeunes, c'est quand même une situation plus qu'exceptionnelle. Ça doit être pesant quand même pour eux. Et le personnel qui s'occupe de nettoyer pour les poubelles, les sanitaires, etc., c'est limité aussi à une seule personne à chaque fois. Donc, ils tournent, hein, un coup c'est une personne, un coup c'est une autre personne, pour limiter, puisque eux vont vers l'extérieur. Très honnêtement, je tenterai de ne pas trop m'en approcher, puis c'est tout, en suivant les consignes. Sinon, pour la restauration, là, ça va être autre chose, puisqu'on nous demande aussi de ne pas bouger du camping. Donc, on va faire des listes de courses que Alfonso ou Tony iront faire des courses pour nous. On va pas non plus abuser, hein, tu vois. Ils iront faire les courses pour nous et nous livrerons directement dans le camping. Pour combien de temps, on n'en sait rien du tout. Et ensuite, donc, quatrième point, de même, tout type de surpeuplement à l'intérieur des installations doit être évité. Bon, ben, on a bien compris, même si on est un peu plus d'une cinquantaine de personnes, et ben, voilà, on ne va pas faire des troupeaux, on ne va pas faire un barbecue, un truc comme ça, on ne va pas se sauter dans les bras les uns des autres, etc. Donc, on verra bien comment ça se passe, parce que là, on ne sait pas du tout pour combien de temps. L'ambiance, tu le vois, et détendu, on reste détendu. Pour ma part, moi non plus, je ne me plains pas, je me sens en sécurité. En plus, il fait chaud, il fait très chaud, il fait très beau, il y a la mer. Hier, je me suis baignée, je me suis beaucoup baignée. Donc, la mer Ménor est une mer fermée, alors comme le bassin d'Arcachon. Donc, l'eau est assez chaude et super agréable. Donc, je ne vais pas le prendre mal. Faut le prendre d'une façon tranquille, c'est tout. En tout cas, j'espère que toi aussi, si tu es confiné, suivant où tu te trouves, autant ne pas s'énerver après les choses qu'on ne maîtrise pas, hein, et s'adapter en maîtrisant ce que l'on peut.
Si t'es confiné, ben adapte-toi. Si t'es confiné avec le mauvais temps chez toi, ben je sais pas, profites-en pour apprendre le tricot, pour apprendre, je sais pas, la peinture, la mécanique, ou même l'informatique, hein, pourquoi pas. Ou à faire des vidéos sur YouTube. Bah oui, hein. C'est pas la peine de faire le tour du monde pour faire des vidéos sur YouTube. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment de le prendre avec beaucoup de philosophie. C'est pas parce que nous, on a le soleil, la mer et tout, qu'on ne risque rien. Hein? Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment à tous, de le prendre avec calme. Alors, je sais qu'il y a des allusions, ça part dans tous les sens, que on nous cacherait des choses par derrière de cette corona, machin. Peut-être, mais en tout cas, ce sont des choses encore qu'on ne maîtrise pas. Laissons venir, occupons-nous de ce que l'on peut maîtriser, c'est-à-dire le quotidien, jour après jour, et après, veremos. Allez, salut!